Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo, bienvenue dans ce troisième épisode de The Legend of Zelda Link's Awakening. J'espère que cette fois, on ne va pas galérer autant que la dernière fois, parce que c'était compliqué. Ça a été compliqué de trouver, et du coup, de trouver l'accès à cette grotte, ce qu'il fallait faire. Mais on y est, nous y sommes. Nous y sommes enfin, et on va pouvoir continuer. Le seul truc qui est dérangeant, c'est ce petit Tidit significatif de vous n'avez plus de vie. Ah, et j'en ai encore moins. Ah, donnez-moi un cœur, parfait. Ok, il m'a donné un cœur et des rubis. Oh, une clé. Ok, tu débloques une clé en tuant les ennemis. Parfait. Alors, je peux du coup ouvrir cette porte ou ouvrir une autre porte. Ah, je sais pas trop. On va aller là où on peut aller déjà. Ok. Je suppose que du coup ça a fermé de l'autre côté. La statue sans bec vous parle mais vous ne comprenez pas. Ah, j'ai toujours pas mon bec, ok. On va quand même aller là. Ok, donc là il y a des masques, je peux pas aller là. Ok. On va aller ici. Et on peut faire ça à distance. Ah, c'est... Faut que je la tire là. Ah non. Saloperie. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Une autre petite clé. Donc, on peut ouvrir plusieurs portes. C'est super. Et on va aller là. Ok, là on n'a pas de... Je peux pas tirer... Non. Je ne peux rien faire d'ici. Donc, on va réactiver ça. On va réactiver ça parce que sinon on va pas pouvoir sortir. Voilà. Et on va ouvrir cette porte. Voilà, il y en a une autre au tout début. On peut toujours pas soulever ça. Ah, il le fait. Ok. Ben, je suppose du coup que je vais débloquer un truc avec les masques que je n'ai pas encore débloqué. Oh non. Mais donne-moi un cœur. Voilà. Ok. Bon, vous comprenez pourquoi je n'ai pas fait en héroïque ici. Le jeu, hein. Ah, ça commence super bien, nice. Un cœur. Ok, je me suis pas fait avoir. Bien la petite chauve-souris. Ok. Ah, on peut peut-être jeter de la poudre. J'aurais pu faire ça avant. Oula, c'est pas passé loin. Non mais viens là quoi. Nom de nom. Le bec, super. Faut trouver une statue de hibou. Ok. Je me trompe pas. Ah là là, c'est chaud. Ouais, on est pas passé loin. De la catastrophe. Hop. On va retourner voir notre ami le hibou. S'il me dit qu'il faut taper sur les trucs bleus. Alors si le slow élevé t'empêche de progresser, frappe le cristal scintillant. Non, sérieusement. On avait compris ça. On avait compris. Ah mais en fait je peux peut-être passer là. Mais je suis con. Peut passer en fait. Oh mais non, j'y crois pas. J'ai réussi à tomber quoi. Encore une clé, ok. Donc là on tape et on repasse là. Ok. Eux ils inversent nos mouvements, ok. Donc ils me font pas chier. Je sais plus, merde, c'était quoi la technique à eux ? Je pensais que le bouclier ça suffisait. Mais non, je suis pas mort, putain. Bon, moi ça va nous recharger nos cœurs, non ? Même pas. Ah, s'il y a 3 cœurs, ouais. Je peux pas tout refaire, hein, rassurez-moi. Non, j'ai encore ma clé. Ok. Non, j'ai pris un demi-cœur, sérieusement.
Ah mais il me loote rien les bâtards. Attends mais je me suis tué. Oh putain. Je me suis tué à la tâche pour rien. Allez dégage le pot. Le pot d'eau électrique, non c'est pas par là. Putain. Ok. Comment on les arrête ceux-là. Ok, alors là il y a un poulidou, on peut pas passer là, ok. Ok, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors quand le motif au sol sera unifié, un nouveau chemin s'ouvrira. Ah. Oh mais non. Ah. Ok, mode plateforme activée. Oh là là, j'ai réussi à me chier. On a des phases en 2D comme ça. Mais on se demande vraiment à quoi elles servent parce que. Pas vraiment beaucoup. Oh, des cœurs! Oui! Vous avez vu ce qu'ils ont fait là? Mais il y avait une porte en fait, tout simplement. Oula. C'est la salle du mini-boss, ça. Ah, mais non. Il faudrait pas que genre, je le fasse tomber. Ah, oh, mais merde. Il est trop gros. Non. Ah, si, mais si, je fais un petit saut avec une esquive comme ça. Okay. Alors, tu sais, lui, il doit être deux fois plus lourd que moi. Mais il tombe pas. Alors que, putain. Alors que moi. Non mais merde, j'ai fait le saut. Oh là là, mais... No comment. Oh mais je dois tout prendre. Oh le cancer. Le cancer. Regardez-moi ça. Est-ce que je peux pas du coup avoir le petit tips? Oh si j'aurais pu. Oh le con. Ah mais j'étais pas au courant. Abruti. Et je viens de me rendre compte que j'étais pas obligé de faire tout le tour. Hop, on va pousser ça. Sérieux, il veut pas? What? Mais merde. Non, ils veulent pas quoi. Il y avait un truc, c'était obligé, non? Yo yo. Alors, un autre cœur, super. Je me casse et salut du boss. Ok. Non mais comment il me chope là, what the fuck? Ça faut que je le fasse tomber en fait. Oh merde. Il va me laisser la vie tranquille là. Oh putain. Après c'est moi qui va finir par tomber. Hein? Il veut pas tomber lui là? Putain, mais il tombe pas quoi. Jamais il tombe. Crève! Ah! Je parlais pas de moi! Putain.
Comment c'est possible d'être aussi mauvais? Je suis d'habitude bon dans les jeux vidéo, moi. Mais là... Là, j'arrive pas. Ah là là, on commence. On s'en fout. On a 3 coeurs après. Bah, allez. Dégage, dégage, dégage. Attends, on va quand même aller vérifier. C'est pas genre par ici qu'il faut faire un truc. Non. Il y a forcément un truc qui nous permet de passer, mais quand je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Ça, je comprends pas. C'est peut-être avec ça, vous me direz. Non. Ah si, ils me font des dégâts. Ok, super. Oh là là. J'ai crevé avant d'arriver, quoi. Non, sérieusement, là? Putain. Je suis passé au travers de la plateforme, quoi. Avant d'arriver au boss. Heureusement qu'ils ont mis ce tracker. Mais du coup, je suis même pas full vie. Yes! Bon. Je suis pas sûr que la technique ce soit de le faire tomber. Non, mais merde! C'est pas possible. C'est vraiment la fin qu'il faut que je change de. Un petit peu, voilà. Ben voilà, il suffit de se concentrer parce que c'était franchement pas compliqué. C'est quoi ça? Ça me fait, j'aurais peut-être dû la mettre dans mon bocal. Ah, surtout qu'il y avait 3 coeurs en plus. Yes, la yes life. Hop là, la créature aux grandes oreilles en premier et le chevalier crâne en dernier. Ouais, donc là je vais me taper un autre boss, c'est ça. Le coffre. La carte du donjon. Il doit y avoir un autre mini boss. Ah, il m'a fait tomber dedans. Sérieusement. Du rubis. Aux joies. Aux joies. Je suis plus aux joies quand il y a des cœurs, moi. Mais... Y a pas plus de boss ici. Okay. On a une clé. Non, on a pas de clé. Merde, comment je fais pour passer là? Comment je fais pour passer? Comme par re être bloqué là. Ah oui. Faut une petite clé. Bon, on va regarder la carte. Je peux zoomer. Oui. Oui, non, je peux pas passer là-haut. Je me téléporte, je reviens au début. Il doit y avoir un moyen de les péter, ces pots, non? Peut-être dans ce donjon. Là, il y a les coffres de pots, même avec des pots partout. Là, on a tout fait.
Ça perd les pompettes, quoi. Parce que c'est même pas un... C'est vraiment les pots qui me bloquent, quoi. Remets au début. Super. Après, ça me remet dans la salle du boss. Super. Et je ne peux aller nulle part ailleurs. Alors on va reprendre les cœurs. Super. On va se barrer, écoutez. Peut-être un endroit que j'ai loupé. Non, je ne peux pas le soulever. C'est trop lourd. Sinon, vous avez plus de force. Et oui. Je n'ai pas plus de force. Par là, il y a quoi? Il y avait la carte du donjon. Ah putain. Là, franchement, on aurait pu s'en abstenir de cette clé là. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Rien. C'est génial. Quand le motif machin, c'est peut-être lui qu'il faut que je mette dessus. Non. Je sais pas, je me disais pourquoi pas. Pareil, cette salle. Si je te mets. Putain, je peux pas aller plus loin. Merde. Si, voilà. En empathitite, quoi. Non, y a rien. Bon, je sais pas à quoi sert cette salle. C'est super. Celle-là, pareil. Bon, si celle-là, ça va. Celle-là, ils veulent pas pousser ça. Quand j'étais de l'autre côté, ils voulaient pas le pousser non plus, quoi. C'est ça qui est abusé. Pourquoi? Je comprends pas. C'est bien avec le bougie. Hein. Non, mais what? Ah, c'est productif cette cette série, putain. Non, mais dégagez les merdes. Hein. Ouais. Je ne sais absolument pas quoi faire. Il ne s'est rien passé. Super. Là, je vais me retrouver dans la salle du boss, voyez. Avec le téléporteur, j'aurais mieux fait de me téléporter. Il y a une
porte que j'ai pas vue, c'est pas possible. Y'a rien, mais d'accord. Oh non, mais je suis tombé là, sérieusement. Ah non, mais c'est ça. Hein. J'ai pas dû comprendre le message du. La créature aux grandes oreilles en premier et le chevalier et crâne en dernier. La créature aux grandes oreilles, c'est ce qu'on vient de battre, non? Ce que je comprends pas, c'est que des fois il y en a que tu peux bouger et d'autres tu peux pas. Je comprends pas. Et là. Alors là, il me donne de la poudre, c'est peut-être pour une raison. Il y a une clé quelque part, c'est pas possible. Comment je fais moi là? Sérieusement? Bon, bah on va faire une pause, écoutez. Hein. De retour. Franchement. Fragment de puissance, youpi! On ne peut pas bouger. Non, c'est pas ça là. C'est pas ça la solution, les gars. Hein. Ça sert à rien ce machin. Non, c'est pas du tout ça en fait. Comment j'étais censé savoir? Hein. Que les putains de mascas me dropperaient une clé. Franchement. Tu peux pas? Non oh, mais putain. Non mais merde, saute. Oh. Faisons ça quoi, sérieusement. Hein? Sérieusement. Genre, qui s'est dit ça? Qui ne connaissait pas le jeu? Tu vois bien qu'il y a un truc ici, mais tu. Ils te disent. Quand tu bloques le machin. Quand tu bouges le truc sur un pylône, un carré losange, ça fait quelque chose. Et là, ça ne marche pas. Allez comprendre. Du coup, ça sera probablement plus simple si je repasse par. Par là-bas. Mais voilà. Oh, le con. C'est foutage de gueule, quoi. Donc, en soi, cette salle ici n'est pas inutile. Ah non, et puis là, il faut y aller quand même pour trouver la technique pour tuer les mascas, quoi. Sont sensibles de devant, de derrière aussi quoi. Là il y a la boussole, ok. Super intéressant. Ok, un son vous viendra, ça c'est le programme. Ok. La boussole c'est important, ça nous dit où c'est qu'il y a les clés. Ça c'est par là. Allez hop. Retour, case départ. Bon, voilà où. On prend les cœurs, dégage. Comme ça va l'habitude, on se fait souffler. Dégage. Voilà. On va prendre la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et on va ouvrir la porte. Et oui, parce que maintenant on a une clé. Ok, elle est bout. Donc là, il faut la lumière. Voilà.
Ça, les fantômes, les lumières, c'est bon. Et les masques par derrière, c'est. Non. Ah ben voilà, vous avez obtenu le bracelet de force, vous allez pouvoir soulever des pots et des pierres. Super. Oui. Oui. On va tout casser. On va tout casser. Tout casser. Tout casser. Ok, ceci est une clé. Oui. Pa 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 pa. Et hop, on casse les pots. On casse les pots. Les pots cassés. Oh mais non, mais sérieusement là, mais genre je tombe. Mais foutage de gueule, je suis même pas dedans. Ah, dégage la merde là. J'ai encore une clé. Ah bah oui, je l'ai ouvert dans le coffre. Bravo. Si je lui envoie un pot sur la gueule, voilà. Mais ça encore, ouais. Ça, c'est easy ça. Parce que forcément, tu viens de débloquer un truc sur les pots. C'est un nouvel ennemi. Ça fonctionne. Mais les masquias, c'est pas comme si tu venais de débloquer l'attaque circulaire, quoi. Non, tu l'as depuis le début. Bref. Ah, là, il y a une fée. Est-ce qu'on aura pas un. On n'a pas de pot, en fait. Ben non. On n'a pas de flacon. On n'a pas de flacon. Ok, on peut péter les pots maintenant. Ça, c'est cool. Tum 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 tum. Soulevé. Ok, on va s'amuser à tout péter. Tout casser. Mais y'a rien. Il est pas content lui. Pourquoi il me fait ça? C'est sympa mec. C'est la meilleure ça. Oh là là, je suis encore bloqué. Faire revenir les pots, écoutez. Faut pas casser les pots. Suis sûr que c'est une connerie du genre. Oui. Bon, on a trouvé. Ah, il faut la clé du boss. Mais on n'a pas la clé du boss. Bah si. Eh oui. Ici. Mais je sais que vous vous l'êtes dit. Mais il y a un coffre à l'entrée avec les pots. Pourquoi tu vas pas le chercher? Non mais merde, d'où je tombe? Parce que ça me recule aussi, c'est ça? Sale histoire. Allez. Non, putain, je suis. Sérieux quoi.
Non mais franchement là c'est en HD et tout, mais... Okay, on les voit pas les chauves-souris mais... À l'époque quoi. Vous les voyez les chauves-souris? Ça devait être pire quoi. En plus je peux même passer là, bah oui. Pas que le coffre à l'entrée. On va aller faire le coffre à l'entrée. Sans s'en débarrasser, voyez. Ça prend à être 50 rubis, mais... Super. Super, j'aurais préféré avoir tort sur ce coup. Ok. Non mais c'est vraiment, il y a tout de Mario en fait. Hein. Là, il y a une clé. La pinou. Non, écoutez. C'est l'histoire là. Comment je bouge ce putain de truc là? C'est où que je bouge? Ok. Je suis censé pouvoir faire quelque chose maintenant, c'est ça? Non mais please quoi. D'accord, donc en fait t'en as deux, t'en as, tu peux bouger, d'autres non. Va savoir. Ah mais merde, la pinou de mes couilles. Et il, elle est où la clé là? Je les ai tous butés, elle est où la clé? Ah oui, c'est bon. C'est d'abord la créature aux grandes oreilles. Oh putain. Je pensais qu'il parlait du... Putain, mais arrête de monter sur l'escalier. Nom de nom. Non mais je vais crever si je... Voilà, ensuite... Chauve-souris. Et ensuite le porky. Oh là là. Ok. Là oui. Là je dis oui.
Là, c'est une énigme de tout à l'heure et je fais le rapprochement qu'après. Donc là, c'est moi qui suis au ralenti. Je pensais qu'il parlait du boss, grosse merde aux oreilles, là. Et puis en fait, non. Il parlait du lapinou. Eh oui. Dégage le truc. Toum tadoum tatoum tadoum tatoum. Poum pam pilim. Alors là, pour le coup, je sais pas trop quoi penser des musiques. La musique de New Super Mario Bros, que c'est vraiment dans les cavernes, tu vois. Je suis moyennement convaincu là. La musique de l'écran de mort est sympa, donc c'est pour ça en vrai que j'y suis plus souvent. Ok. Attends un peu que je m'occupe de toi. Génie. Pas la gueule du génie par contre. Hein. C'est plutôt Bozo le clown. Je suppose que je peux pas le taper. Là, je peux le taper. Ça. Mais je ne peux pas bouger. Mais ce n'est pas grave, ta petite épée ne pourra pas briser cette jarre. Mais ces murs semblent bien plus solides que ton cure-dent. Ouais, il faut que je soulève. Ok. D'accord. Tant que j'aurai ma jarre, je serai invincible. Ce qui est bien, c'est qu'il nous le dit, tu vois. Au moins. Ça, on n'avait pas besoin d'explication, on avait compris. Hop là. Esquive. 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 Ah, tu l'as pas. Ok. Hop là, petit saut, petit saut. Il envoie des boules de feu. Il se prend pour Ganon, le mec. Quoi? Tu as osé? Tu as cassé ma jarre? Alors là, je suis Furax! Crève pas. Oh merde. Voilà, bute-le. Mais je suis Super Furax, c'était un génie. Mais j'ai dit comment? J'ai dit mon point faible. Je suis un génie. Vous obtenez un réceptacle de cœur, votre nombre de cœurs est augmenté, et vos cœurs ont été restaurés. Oui. Putain. Un cœur de plus. Et un nouvel instrument. Vous avez obtenu la conque de l'écume. Et ces machins, on sait pas à quoi ça sert, à part que ça fasse un peu de musique. Prairie. Prairie. La prairie t'attend. Ça, c'est du tease. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Bah si. Si, on va s'arrêter là. Eh oui. On s'arrête là. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Et puis, bah à bientôt.